nombreux à suivre ce journal. Voici les principales articulations. Publication du rapport du cycle électoral 2018-2023 par la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, un rapport plutôt mal accueilli par la CENI. Et les femmes congolaises de la presse écrite ont formé les jeunes sur la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. D'entrée de jeu dans la soirée du lundi dernier à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation de l'Union européenne conduite par le commissaire chargé de la gestion de crise, Janez Linarsik. Suivez ces reportages réalisés par la presse présidentielle. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion de la crise vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Janez Linarsik, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'est de la RDC qui en ont besoin. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma. Et parmi les plus cités figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération, illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et la ministre d'État aux affaires étrangères, ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État, était également associé à cette audience. D'un dossier à un autre, le contrat de production de cartes d'identité nationale en RDC refait surface avec l'arrivée de Jacquemain Tshabani, le nouveau vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions jeudi dernier à la suite d'une remise reprise avec son prédécesseur Peter Kazadi afin d'assurer la continuité des affaires de l'État. Et le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a échangé lundi 17 juin dernier dans son cabinet de travail avec l'inspecteur général de finances, Jules Alinghetti. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la lutte contre la corruption, des enquêtes sur le fonds destiné aux victimes de Kisangani, ainsi que de fonds alloués à la réhabilitation du palais de la justice. Au sortir de l'ère entretien, le patron de l'IGF s'est dit engagé à exécuter de plus vite que possible les exigences du ministre de la Justice. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre
tous les rapports de ces trois dernières années et a établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports et a établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandée à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. En rapport avec l'applicabilité d'une justice équitable en RDC, les évêques catholiques comptent et demandent au ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, de traquer les délinquants financiers et les fossoyeurs de la République. Suivez à cet effet Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Commission épiscopale nationale du Congo. Quelque chose à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Et ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. Publication du rapport du cycle électoral 2018-2023 par la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, a pris part lundi dernier à cet événement, transmis au préalable à la hiérarchie de cette institution d'appui à la démocratie. Ces rapports font état des opérations électorales au regard du contexte et a prévalu avant, pendant la mise en œuvre des activités de la centrale électorale, un rapport plutôt mal accueilli par la CENI qui estime que ce dernier n'a pas tenu compte des difficultés et des défis rencontrés. Ce rapport donne l'impression que rien n'a marché pour revenir à la case de départ et à faire croire aux différents bailleurs de fonds que le chemin est encore long vers les élections de meilleure qualité. Ce rapport prête à la CENI des pouvoirs qu'elle n'a pas, tels que la sécurisation du processus électoral. J'ai entendu Révérend Eric, lorsque vous parlez de la sécurisation des élections, mais la CENI n'a pas d'armes, elle n'a pas non plus de munitions, elle n'a pas d'éléments. Ça, c'est l'apanage total du gouvernement avec tous ces services qui sont la police et les services d'intelligence. La CENI organise les élections, la technique, les opérations, ça c'est l'apanage de la CENI. Mais la sécurisation, ce n'est pas du domaine de la CENI. Pour sa part, la CENI tient à préciser ceci. La CENI a, contrairement à certaines prédictions, de mauvais augures. Organisé le 20 décembre 2023, les élections directes et combinées du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux, ainsi que celles des conseillers communaux dans le chef des provinces, dans les chefs-lieux des provinces. Notons que les élections municipales n'ont jamais plus été organisées depuis plus de 37 ans dans notre pays. Michel Okongo Lomena, président de la formation politique Unité de valeur, a tenu un point de presse ce mardi 18 juin à Kinshasa pour évaluer la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il estime que la République démocratique du Congo doit mettre ses richesses en jeu en exploitant toutes les matières premières qui serviront à la fabrication de armes puissantes et capables de chasser l'ennemi hors de nos territoires. Témoins de l'événement, Corinne Kadoul et Enoch Mbala.
Après avoir parlé de son parcours politique sur le plan international qu'est national, Maître Michel Okongo Lomena s'est adressé à la nation congolaise sur la manière dont les pays commanditaires de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo ont agi afin d'empêcher aux dirigeants africains ou congolais d'avoir la décision ferme sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et partout en Afrique. L'Occident a commis l'erreur de menotter Lumumba. Et ces images sont restées. Après, ils se sont dit, on ne va plus appliquer les menottes visibles, on applique les menottes invisibles. Donc, nos dirigeants sont enchaînés pour comprendre, lisez les traités de l'EAC. Vous comprendrez. Quand on vous dit que les décisions de l'EAC supplantent les décisions de notre Assemblée nationale, par exemple. Pour Maître Michel Okongo Lomena, cette guerre est une guerre d'occupation, notamment une stratégie des États-Unis d'Amérique et du bloc occidental de conquérir notre pays. Dans leur visée expansionniste, visée d'occupation, ils ont utilisé les politiques et l'armée. Donc vous comprenez que ce n'est pas une guerre militaire ni politique, mais c'est une guerre d'occupation. Il s'est de noter que, pour le président du parti politique Unité de Valeur, UV en sigle, sans pour autant chercher à faire peur ni à créer une psychose au sein de la communauté congolaise, l'ampleur du complot contre notre pays risque de rayer définitivement la République démocratique du Congo de la carte géographique si aujourd'hui et dans l'immédiat, la RDC ne prend pas la ferme résolution de s'élever et de se mobiliser avec promptitude pour combattre l'ennemi. Dans la même logique, au cours de ce point de presse, l'acteur politique Michel Okongo Lomena a expressément lancé à la nation congolaise l'alerte générale sur la menace du complot de la communauté internationale concernant l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est dans un état d'esprit très combatif et avec une intense gravité que je viens expressément lancer à la nation congolaise tout entière une alerte générale au regard des multiples dangers qui guettent notre pays de manière permanente et face également à l'étendue du complot international qui menace dangereusement l'intégrité territoriale et l'existence même de la République démocratique du Congo, placée dans le viseur des États-Unis d'Amérique, du bloc occidental et de leurs valets rwandais et ougandais qui tiennent absolument à balkaniser notre pays en ayant l'intention diabolique d'exterminer massivement toute la population congolaise afin de transplanter sur le sol de nos ancêtres une population étrangère venue d'ailleurs et d'installer l'empire Imatuti sur les cendres de nos cadavres tels que ce fut le cas pour le peuple amérique indien. Les fondements de notre État-nation sont gravement menacés de s'écrouler. Partant, il devient impérieux de faire usage sans restriction de certains de nos minéraux stratégiques pour fabriquer les moyens de défense disproportionnés, notamment l'arme nucléaire, pouvant nous permettre de faire face à nos ennemis et d'assurer à la fois la survie de notre peuple et celle de notre pays. Revenons sur le dossier Lampander. En RDC, l'acteur politique indépendant Narcisse Ontumba félicite le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement d'avoir livré l'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi à la justice congolaise en vue de faire la lumière sur cette affaire qui suscite beaucoup de réactions. Je pense que l'union sacrée ne doit pas protéger le malfrant. Donc moi je pense que là, c'était une très bonne décision. L'UDPS est allié et majoritaire à l'Assemblée nationale, mais vous allez comprendre avec moi que non,
tous ont voté pour que Nicolas Kazadi aille se faire justifier au niveau de la justice. C'est une très bonne décision, ça on a vraiment salué. Je salue ici le propos du secrétaire général de l'UDPS qui a dit que non voilà, ils ne sont pas là pour protéger les malfrants, les voleurs. Si quelqu'un vole, même s'il est de l'Union sacrée, doit faire face à la justice. Et jusque-là, sa culpabilité n'est pas prouvée au niveau de la justice. Moi je crois à notre justice, et si Nicolas Kazadi se défend bien, il pouvait recouvrir sa liberté comme il a toujours souhaité. Madame, Monsieur, en sa qualité d'analyste politique, Papi Banzinga salue l'option prise par l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en ce qui concerne la mise en place d'une commission des députés chargée de dénicher le problème de la population dans chaque circonscription électorale de la mégapole. J'ai aimé de voir le gouverneur de la ville en train de récolter des données auprès des élus provinciaux en ce qui concerne toutes les circonscriptions électorales de la ville de Kinshasa. Il a en tout cas récolté toutes les données possibles concernant la sécurité, les infrastructures, l'éclairage public, toutes les questions en tout cas d'ordre public et au profit de la population. Alors nous croyons que par rapport aux données qu'il a déjà entre ses mains, et il va élaborer un très bon programme qui va aider les Congolais à avoir le sourire. Parce que c'est le souhait. Nous voulons qu'il puisse continuer le travail de son prédécesseur. On a vu Ngobi la faire quelques routes. Si lui aussi, il peut faire d'autres routes encore. On a vu Ngobi la commencer avec l'éclairage public. Si lui, il peut encore continuer dans cette lancée-là. On a vu encore le gouvernement central et voire même provincial en train de travailler sur la sécurité, la lutte contre le Kuluna. Et si lui, il doit encore augmenter les stratégies pour pouvoir éradiquer tant soit peu les phénomènes Kuluna qui dérangent les Kinois dans son ensemble. Donc, moi, je lui donne confiance. Je crois qu'il va travailler, en tout cas pour le bonheur des Congolais. Restons à Kinshasa et en fait de la mobilité de personnes et de leurs biens. L'un des axes majeurs de son action, le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu une séance de travail avec le dirigeant de Metrokin, société qui développe un projet de train urbain de 300 km de rail, dont le coût est estimé à plus de 2 milliards de dollars américains. Richard Nawege pour les explications. À l'issue de la réunion, Daniel Bumba Lubaki s'est dit impatient de voir cet ambitieux projet se concrétiser rapidement au bénéfice des Kinoises et Kinois entravés dans leur mobilité, notamment par des bouchons. D'après le directeur général de Metrokin, Eric Onepungu, près de 50% de besoins en mobilité de la population de Kinshasa ne sont pas satisfaits à cause, entre autres, du déficit des infrastructures de transport, de l'augmentation des démographies et de l'urbanisation rapide. Dans sa première phase, Metrokin va construire une ligne de chemin de fer de 25 km à deux sens de la gare centrale à l'aéroport de Njili, dont le coût est de 550 millions de dollars. Parmi le préalable, il y a la libération des emprises publiques occupées par des marchés pirates et le quartier Pakajuma et Kawele, habité par près de 1000 ménages. Pour la mise en œuvre rapide du projet Metrokin, le gouverneur s'est engagé à lancer bientôt une opération de déguerpissement humaniste. Daniel Bumba a promis de veiller à ce que le riverain soit indemnisé avant leur évacuation. Dans sa deuxième phase, Metrokin va construire un train urbain dans la plaine de Kinshasa pour un coût de 640 millions de dollars américains. Dans sa phase 3, Metrokin va faire une boucle de 90 km autour de la ville. Enfin, dans sa phase 4, cette société compte relier Maluku à l'aéroport de Njili pour un coût de 300 millions de dollars américains, ont notamment pris part à cette réunion le député provincial Jésus Noël Cheke et Bob Amissou.
abordant les questions sécuritaires à Kinshasa lors d'une causerie morale le lundi dernier avec le commandant des unités de sa juridiction, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a annoncé le renforcement des éléments de la police nationale congolaise dans ses points chauds de la capitale. Ces nouvelles mesures viennent en appui aux équipes de patrouille mixtes déjà opérationnelles. L'avantage, c'est porter plus haut, encore plus haut, le niveau d'alerte sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Vous savez, les menaces qui nous guettent depuis le 19, c'est là qu'il a fallu qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc, il s'agit des points chauds en sus des patrouilles mixtes. Commissariat provincial, 14e région militaire et task force, nous allons déployer et céder ce matin des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville province de Kinshasa. Vous venez d'assister au premier briefing, le deuxième briefing est là. Donc, des codes vont être donnés pour que ceci soit respecté. Et comme nous l'avons dit, à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous, tous ces gens doivent respecter les codes de bonne conduite. Changeant de registre, l'Association de femmes congolaises de la presse écrite ACOFEP a organisé dimanche dernier à Kinshasa un atelier de formation sur le mécanisme de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok et son impact sur les jeunes utilisateurs. Lors de cet atelier, Patricia Dielomboka Nzinga, présidente de l'ONG Mwasi ya Lobby, a mis en garde contre le danger auquel les jeunes internautes sont exposés sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Elle a souligné que la recherche de popularité sur les plateformes peut conduire à la diffusion de fausses informations avec des conséquences néfastes. Face à ces constats alarmants, l'ACOFEP appelle le gouvernement congolais à intégrer l'éducation numérique dans le programme scolaire national. Cette initiative vise à outiller les jeunes générations face au danger de la désinformation en ligne. Selon l'association, intégrer cette thématique dans le programme scolaire permettrait de sensibiliser les élèves aux risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux, leur fournir des outils nécessaires pour identifier des informations fiables, développer leur esprit critique et leur sens de l'éthique numérique. Les participants à l'atelier ont également appelé à intensifier les efforts de sensibilisation auprès des jeunes pour les encourager à adopter une utilisation responsable des outils numériques. Cette initiative de l'ACOFEP constitue une étape importante dans la lutte contre la désinformation et la protection des jeunes utilisateurs des réseaux sociaux, en leur offrant les compétences nécessaires pour analyser et décrypter de manière critique les informations en ligne. Ces programmes permettront de les responsabiliser et de les armer contre le danger du web. Évolution des Léopards de l'RDC dans les différents championnats du monde. L'attaquant congolais Samuel Essende pose les valises à Augsbourg en Bundesliga. Par ailleurs, le capitaine de la sélection nationale congolaise, Chancel Bimba, est entre l'Europe et l'Asie pour la saison prochaine. Espoir Kinanvidi nous fait le point. Formé à Paris Saint-Germain, l'international congolais Samuel Essende a, après une superbe saison sous le maillot de Vilzela en Portugal, dont le bilan est de 15 buts en 26 matchs. La performance de ce léopard de 26 ans a séduit les clubs allemands pour un contrat de 5 millions d'euros pour 4 ans, soit jusqu'en 2028. Il s'y est épinglé que Augsbourg, le club qui va évoluer et scinder la saison prochaine, a terminé 11e en Bundesliga la saison dernière. Et l'arrivée de l'avant-centre congolais est un coup de pouce pour ces clubs en championnat.
Notons que dans la sélection nationale de la République démocratique du Congo, Samuel Essende n'a disputé que 2 matchs dès son arrivée à la tanière que dirige Sébastien Desabre. Le 6 juin dernier, face au Sénégal, et le 10 de ce même mois, contre le Togo au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte des éliminatoires mondiales 2026. Par ailleurs, Chancel Mbemba est entre les marteaux et l'encline pour la saison prochaine. L'homme de la justice dédié Yana est sollicité par plusieurs clubs de l'Europe et celui de l'Asie en Arabie Saoudite. Chose qui met en cause la carrière du défenseur de l'Olympique de Marseille qui a le choix entre un contrat modeste en Europe et un gros contrat en Asie. La décision de celui que les amoureux du football ont surnommé de Midi sera dévoilée dans les jours prochains. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Complétez votre connaissance à travers cet élément du journal. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folates, les fers, les sodiums, les calciums, les potassiums. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Page météorologique, cette fois-ci, demain matin à Kinshasa, le ciel sera radieux. La température dans la matinée atteindra le 20 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure. Et à l'après-midi, le soleil régnera en maître dans le ciel. La température atteindra le 34 degrés Celsius, marqué par une force du vent qui devrait atteindre en moyenne le 6 km par heure. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température va rechuter vers 30 degrés Celsius avec une température ressentie plus frais, soit 29 degrés Celsius. Fin de ce journal sur Kinactu Télévision. Bien avant de nous quitter, le rappel de Et les femmes congolaises de la presse écrite ont formé les jeunes sur la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Ce précieux travail réalisé grâce à l'esprit solidaire de l'équipe rédactionnelle de la technique. Je vous retrouve très prochainement avec la même ferveur. Au revoir.